Salut tout le monde, nous revoici pour une petite vidéo donc avec un titre qui attise votre curiosité, j'en suis sûr. Mais là pour l'instant, on vous emmène justement au VR. Je suis avec les garçons, ils sont là. Hey, on est tous là, on va à pied au camion. On est à pied, on va poser la plaque, on va poser un petit peu de stock. Je veux démarrer un peu le VR, juste 5-10 minutes, et puis regardez si tout va bien, et puis voilà, et ensuite on reviendra tout à l'heure. Donc là on vous emmène avec nous au VR. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on y va. Non, elle est lourde, mon chéri. Donc, ici, c'est notre entreposage. Donc, il y a un peu des VR aussi. Il y a un challenger. Vas-y, on t'écoute, chéri. C'est pas le nôtre, mais c'est l'entreposage où est-ce qu'on stocke. Oui, bah oui. Donc, il y a des VR. On marche un peu et il est un petit peu neigé. Kylian, tu peux aider ton frère. Et puis, tout au fond, il y a le plus beau. On n'est pas objectif parce que c'est le nôtre, mais il est là. Voilà. Sous la neige. Enfin, sous la neige. Pas si pire. Un centre-posage. Donc, attention, publication, partenariat non rémunéré. C'est même pas un partenariat, je le dis parce que c'est eux. Mais merci aux entreprises Bergedac Excavation qui proposent, bah c'est sûr on paye pour ça, mais c'est, le prix est très raisonnable. Puis regardez, ils ont peut-être encore de la place si vous voulez une ou deux places, si vous avez un VR, mais voilà. Donc merci à eux de proposer ça pour nous, propriétaires de VR, de fifth wheel. Là comme vous voyez, une fifth wheel, il y a une petite roulotte, une petite roulotte juste derrière. Donc merci à eux de nous proposer ce service, très apprécié. C'est juste à côté de la maison. Donc en plus c'est juste à côté de la maison, je passe devant tous les jours, le matin, le soir. Donc je vois le VR, je vois si tout va bien et c'est parfait. Donc bon, on va faire ce qu'on a à faire, puis on se revoit plus tard. Bon, je sais pas si c'était une bonne idée, mais je le fais quand même pour me rassurer. Je viens de démarrer le VR. Juste pour fermer la porte. Juste démarrer un peu le VR, je vais le laisser tourner 5-10 minutes. S'il y en a qui sont experts en VR, savoir ce qu'il faut faire pour les batteries, moi c'est ça, je suis vraiment pas un expert. Donc je me dis avec le froid et tout. Donc là je sais que en démarrant je prends de l'énergie sur la batterie, donc je vais le laisser tourner un peu. 5-10 minutes, les enfants ils sont en train de jouer dans la neige. Hein ? Ils sont contents les enfants ? Oui ! Les enfants ils jouent, ça se roule par terre. Hein ? Pendant que moi je fais ça. Donc voilà. Donc on va attendre 5-10 minutes et puis ensuite on va rentrer. Je vais poser la chaise. Donc fait un peu nuageux, mais ça annonce de la pluie demain. Donc au niveau du toit, j'en profite pour regarder le toit, hein, pour savoir si je dois déneiger ou pas. Ça a l'air non, ça a l'air correct, pas une grosse épaisseur. Donc pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Tiens, comment les enfants. Qu'est-ce que vous faites? Hein? Un ange. Un ange. Un deuxième, j'ai trouvé des anges. Voilà. Donc on va attendre. Allez, salut. Je me demandais si je vous faisais une bande annonce, un teaser. On pourrait faire vous voulez, voulez. Oh, voulez. C'est pas français ça. Voulez-vous voir l'intérieur du VR? Est-ce que ça vous tente de le voir? Mettez des commentaires, on like, on s'abonne, on partage la vidéo même, vous pouvez. Mais est-ce que vous voulez voir l'intérieur? Je
super. Ça vous tente de voir, c'est... Hein? Bon, bah ça va prendre des commentaires alors. Parce que sinon, on la fera pas. Ou du moins pas tout de suite. Petite tranche de vie. On est rentré. On a vu une dame avec un petit bébé chien qui avait moins de 3 mois. Puis Kylian l'a caressé. Erwan. Erwan, j'ai donné une croquette. Toi, tu lui as donné une croquette. Il ressemblait que moi j'étais une croquette. Il pensait que t'étais une croquette. Eh oui. Donc voilà. Allez, là maintenant, on rentre à la maison. On passe par là. On peut pas aller voir mon phare. Ah, on va aller voir le phare à Kylian. Allez, on vous emmène. Est-ce que vous voulez voir le phare à Kylian? Oui. Allez. Kylian, on va montrer. On a croisé des amis à lui tout à l'heure. Puis c'est des followers. Yeah, merci. C'est des scouts. Mais ils nous ont demandé, c'est quand que, est-ce que vous avez fait une autre vidéo? Donc, on leur a dit, non, on est en train de la faire. Donc, les followers, c'est quoi leur nom? C'est... Comment il s'appelle? Il y a Antoine. Ouais. Donc salut Max... Antoine, merci Antoine de nous suivre. Ouais, il y a Maxime. Maxime, merci. Et merci. Xavier. Xavier. Mais c'est plutôt Maxime et Xavier qui nous suivent. Ouais. Antoine, il connaît pas la chaîne. Ok, bah, c'est correct, mais c'est des followers, donc on dit... Merci beaucoup. Merci de nous suivre. Ouais. Merci beaucoup. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder nos vidéos, à vous abonner. Donc c'est cool. Merci. Et... Alors, c'est ici le fort. Donc là c'est le fort. Là c'est le fort à Kylian, c'est ça? Vous voulez rentrer dedans? Allez-y. Ici on a les toilettes. À côté on a direct les toilettes. On a un petit banc et tout. Sinon le fort il n'y a pas que. Ici on a un porte bon qu'on voit pas tellement. Sinon, ah, il y a le petit chien qui arrive. Est-ce que vous voulez revoir le chien? Bah viens, on peut leur montrer aux abonnés. Monsieur Weber, demande-lui si on peut le filmer. Vas-y. Ouais. Vas-y. Excusez-nous. Oui. Alors on veut juste montrer le petit chien. Attends, le petit chien, petit. Le petit ouais. chien, voilà. C'est lui qui prend un Erwan pour une croquette. Hein? Il est beau. Il est tout beau, il est magnifique. Il s'appelle comment? Je vous aime. Sparky. Sparky. Salut Sparky. Ah, t'as vu, c'est Sparky. Il est beau. Est-ce qu'il est beau? Oui. Ouais. C'est une race de chien? Un Shiba Inu. Ah, ok. Mais en tout cas, il est très très beau. Oh oui. Ah. Et on meurt pas doucement. Mais il veut jouer, il veut s'amuser. Oui. Et puis il fait ses dents. Hein. Ah ouais, en plus en même temps. Ouais, ouais bah ouais, c'est sûr. Merci beaucoup. Ah, merci. Bye bye. Merci. Allez, à la maison. Oh, on dit. Allez, parce que pour la suite, il va falloir que. On recharge la caméra. Non, mais on va continuer la vidéo. Puis. Je sais ce que vous attendez. Vous attendez de savoir comment on va appeler le VR, comment on l'a appelé. Donc, on va faire une vidéo un peu plus loin. Ouais. On va vous annoncer ça dans pas long. Restez, restez, ce sera dans vraiment pas long. Ok, on va vous dévoiler ça. Ok, allez, c'est reparti, on continue. Wouhou. Salut, ça y est, c'est fini. Donc maintenant, on va vous montrer ça. Attends. C'est les enfants qui ont décoré le sapin qui est là. Et attention, on va faire à la une, à la deux,
Et à la 3. Waouh. Un coco. Il est beau. C'est les sapins que tes grands-parents ont fait. Il regarde pas. Qu'est-ce que c'est, mon coco? Coco, il se réveille. On y est, la fin de la vidéo. On va enfin vous dévoiler le nom qu'on a choisi avec toute la famille, tous les enfants pour le VR. Donc, juste avant ça, une petite parenthèse. On voudrait vous remercier de nous suivre, de regarder les vidéos, ouais, de mettre des likes, des commentaires. N'hésitez pas à continuer à faire ça. Ça nous encourage et on aime ça. N'hésitez pas à nous dire en commentaire s'il y a des choses, vous voulez qu'on filme. Oui. On pourrait faire des sujets que les gens ils nous demandent, si on fait quelque chose, s'ils veulent voir quelque chose de particulier. Je veux dire un truc. Vas-y. Il me semble que dans pas longtemps, on devrait faire la vidéo intérieure du VR. C'est un peu l'hiver là. On pourrait faire une vidéo intérieure si les gens ils le demandent. Oui, okay. Si vous demandez. Hein. En commentaire, mais on sortira pas les extensions. Non. Okay. La vidéo complète avec les extensions ouvertes, on fera ça au printemps à notre première sortie. Okay. Donc, comme ça là. Donc voilà, donc, on voulait vous annoncer le nom que nous avons choisi. Il y en a plein qui sont passés, on a pensé à plein de choses, puis au final, attention, il va y avoir un effet spécial, qu'on dit. On dit comme ça. Attention. Des effets spéciaux. Donc, c'est un nom qui plaît à tout le monde. Tout le monde est d'accord. Ouais. On est bien content. Moi aussi, je suis très content. Donc, maman. On fait quoi? On fait un roulement de tambour? Bah... Non, ok. On fait un décompte? Oui. Ouais, à partir de 10. Ça va être long, hein. 5. Allez. Alors, il va arriver dans mes bras. Et puis dès que je le montre, on dit, les gens ils vont le voir, mais on dit comment il s'appelle. Okay. Hey, on dit comment il s'appelle. Ok, attention. 3, 2, 1, go. Groot. Eh ouais, voilà, je s'appelle Groot. Je t'appelle. C'est le nom du VR, voilà. On a déjà la petite peluche qu'on va pouvoir mettre dedans. J'ai ma petite figurine pop. Que j'aimerais bien voir les autres. Voilà. Qu'on va pouvoir mettre dedans aussi. Donc, c'est officiel. Nous avons appelé notre VR... Groot. Sinon, non. Est-ce que t'es content? Oui. Est-ce que t'es content? Oui. Est-ce que t'es content? Oui. Est-ce que papa, il est content? Oui. Oui. Est-ce que maman, elle est contente? Oui. Moi, je voulais Stitch. Maman, elle voulait Stitch. Elle a changé à la dernière minute. Mais non, finalement, ce sera Groot. Donc, voilà. Je s'appelle Groot. On va demander à la petite rêveuse de nous faire les autocollants. Ouais. Surtout, okay. pour mettre sur le VR, on va marquer « Je s'appelle Groot » en arrière et puis on mettra quelque chose devant. Donc, ouais. Hein? Pourquoi Groot? Parce qu'on aura des arbres dedans. Parce qu'on est mignon, mais que Groot, il fait que des bêtises. Ouais, c'est pas faux. C'est un peu ça. Groot, lâche, s'il te plaît. Groot est très mignon, mais il fait plein de bêtises. Oui. Ils sont très mignons. Mais il fait des bêtises comme Groot. Je vous le garantis. Il fait des bêtises comme Groot. Voilà, donc c'est ça. Comme on lui dit... Donc voilà, vous connaissez désormais le nom. Donc Groot, on va l'appeler comme ça à chaque fois qu'on parlera de lui maintenant.
Et donc merci à tous, merci de nous avoir suivis. Papa. Ah, ouais. C'est Noël. On vous souhaite à tous de très bonnes fêtes, que vous soyez, on l'espère, en famille ou avec des amis. Ouais. Passez un bon temps des fêtes. Vous soyez à Cuba. Et puis, tu connais du monde à Cuba, toi? Non. C'est incroyable. Merci à tous de regarder nos vidéos, de liker les vidéos, de les partager, de vous abonner, de mettre des commentaires. Ça nous fait plaisir, ça nous encourage. On continue. C'est vrai que la période hivernale va être un peu plus tranquille en termes de vidéos. Forcément, c'est un peu plus compliqué pour nous. Mais vous allez voir qu'au printemps, ça va bouger pas mal. Donc voilà. Donc, vous allez devoir suivre. Va falloir suivre, c'est ça. Donc merci à tous. À très bientôt, prenez soin de vous, passez un bon temps des fêtes et puis salut. On dit comment? On dit comment? On dit au revoir. On dit joyeuses fêtes. Va falloir qu'on se trouve un petit slogan pour dire au revoir. On dit hi. Non. Et bye bye les amis. Bye bye. Bye bye la famille. Au revoir. Bye bye la famille. Salut tout le monde, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Salut. Salut. Excusez-nous, on recommence, c'est pas fini. C'était presque fini, mais on n'avait pas fini. Puis, attendez, c'est ça. Hop, comme ça, voilà, il y a son micro. Parce que Erwan voulait parler. Donc, oui, Erwan. C'est attends. Tout le monde là, tous les followers, ils t'écoutent. Ok? Donc, c'est pour toi, attention, c'est Erwan qui veut dire quelque chose. La star. Oui. Vas-y. Et aussi. Avec un rapport de Groot, du vert, aussi il s'appelle Groot. Oui. Ouais. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose? Oui. Il manque quoi? L'ingrédient secret. Ah, mais ça, c'est notre ingrédient secret quand on fait des crêpes. C'est ça? Oui. C'est oui, l'ingrédient secret quand oui, on fait des crêpes? Oui, mais aussi pour le capteur. Oui. Mais pourquoi? Alors? Alors? C'est l'amour. Voilà. C'est quoi l'ingrédient secret qu'on met quand on fait des crêpes? L'amour. Non. Très l'amour et le bon goût. On met beaucoup d'amour dans la pâte à crêpes. Alors, on met beaucoup d'amour de même. Ok. Il y a clairement un tiers que c'est de la crêpe. Allez, Mimi, toi aussi, tu veux parler? Tu veux dire le mot de la fin? Ah oui. Oui? Hop, tu touches pas. Papa, il est là. Si. Hop, est-ce qu'on te voit au moins? Hop. Allez, vas-y. Les gens, ils t'écoutent. C'est à toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Regarde la caméra. Regarde là. Regarde. Tu dis, je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot. Papa. Tu dis bye bye. Bye bye. Bye bye les amis. Aussi, bye bye la famille. Aussi, prenez soin de vous. Joyeuses fêtes. Passez une joyeuse fête. Bye bye. Et aussi, bye bye. C'est bon. Bye bye. Joyeuse Noël. Joyeuse Noël. Joyeuse Noël.